Initiating system 1. System 1 loaded. Et ho ayo, c'est Gunshu. Et aujourd'hui, je suis de retour sur notre cher très bon jeu Warframe. Donc voilà, et aujourd'hui c'est pour tester la Death 13A. Donc j'ai réussi à l'acheter, du moins tout ça n'est pas trop cher. Donc j'ai pu l'acheter et donc après une longue session de farm pour avoir des objets, enfin des ingrédients qui sont lootables que en mission apparemment, qui sont en alerte, donc j'ai dû patienter pour l'avoir, mais je l'ai maintenant. Là, je vais un peu la customiser, on va dire, la mettre à mes couleurs, on va dire. Donc voilà, on va vite faire ça. Je vais mettre une couleur comme ça, passer par là. L'énergie, ouais, je vais mettre grise. Allez, basta. Faire ça. Ah merde, c'était... Ah, ok, d'accord. Bon, allez, on va faire ça. Rapidement. Moi, je fais l'inverse. Non. On va faire ça, non. Classe. Hop. Secondaire. Ça. La tertiaire. Ça. La sainte. Je vais mettre du rouge. L'énergie. Alors, donc voilà, on va tester ça dans un petit level pour que je puisse bien la manier. Je lui ai mis un réacteur, c'est un catalyseur Orokin pour augmenter ses points. Donc voilà, donc c'est parti, on va faire sur une petite planète. Ouais, sur Mars, je pense. Pas une défense, ça va être chiant, une survie c'est trop long. On va faire une capture. C'est parti. Allons tester cette nouvelle arme qui est sortie il y a quelques jours. J'espère que ça va être très 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 rapide. J'espère que je trouverai aussi la posture de l'arme. Parce qu'il y a une posture avec, donc voilà, il faudrait que je monte la chope. Donc voilà, alors, appuyons rapidement sur F pour pouvoir l'équiper en main. Ok, bon, c'est une épée, comment dire, voilà, comme une rapière, donc ça attaque comme une rapière. C'est logique. J'ai quand même aller assez stylé quand même. Changement, c'est comme ça, c'est un coup en avant, ok. C'est classique, ça c'est une arme. Après il y a des enchaînements, mais après on va être plus de basique, mais c'est bien d'avoir la posture pour les coups. En tout cas, fait mal apparemment. Là ça c'est. Pas trop occupé de l'arrêt mental là. C'est pas trop le but. Ça assassinat avec, c'est pas mal. Non, la mission c'est fait tout le monde. Et en tout cas j'apprécie du fait qu'elle est très rapide entre guillemets. Parce que en fait vous voyez, je pense que mes ennemis sont tout en marchant très rapidement. Lui notamment, c'est lui. L'empêcher de s'enfuir. Voilà, j'ai mis KO. On capture la cible. Donc c'est parti pour la fuite. Là, je vais ouvrir ça. Ok. Nickel. Ouh.
Hop. Allez, ça là. Allez, hop. Allez. Perso, j'aime bien ce style de combat. Alors. Alors, rapide. Hop là. Ah, c'est pas mal. Ok. Voilà. C'est parti. Petit saut. Et hop là. Tu veux toi? Tiens, non, je suis désolé. La réponse à ce qu'il y a d'heure là, mon dieu. Voilà. C'est pas mal qu'on reste appuyé sur la touche, on fait sa charge et hop là. Écoutez, ok d'accord. J'ai quand même tué les canards qui sont à côté là. Voilà. Donc voilà, bon après on va se récolter, j'ai beaucoup de compétences de temps. Enfin, bah non pas contre. Mission complete, the captive is gonna be de ça donc donc j'espère que cette vidéo, on va dire, vous a plu. Voilà, commentez, et voilà. Donc je vous dis à plus tard, c'était Gunshow. Bye bye.